Alors, est-ce que je peux de base, voilà, mettre le jeu quand même. On va mettre le jeu à 10% juste au début. Pour éviter de perdre du pognon pour rien. Donc, on va écouter ce que dit Michel. La Syrie et la Judée ont récemment rejoint notre empire. Mais je m'interroge sur la profondeur de leur loyauté. Nous avons besoin d'un nouveau port de commerce dans la province frontalière de Cilicia. Bâtissez une cité à Tarsus afin d'illuminer ces régions de la puissance de Rome. Vous serez heureux d'apprendre qu'il ne vous sera pas nécessaire de produire votre nourriture à Tarsus. Cette province désertique est en effet totalement stérile. Il vous faudra donc importer toute votre nourriture. De nombreuses provinces à l'est de Rome se rebellent contre notre autorité. Et nos légions sont requises sur d'autres frontières. Vous risquez d'avoir des problèmes d'ordre militaire dans cette région. Bien que nous n'ayons aucun grand ennemi dans les parages, nos alliés ne sont pas particulièrement débordants d'enthousiasme à notre égard. Défendez votre cité et constituez-y une ou deux légions. Contrairement à Hispania ou à la Gaule, où les indigènes sont faciles à impressionner, cette région du monde est civilisée depuis les temps anciens. Votre cité à Tarsus devra donc atteindre des objectifs élevés afin de démontrer la supériorité des Romains. Enfin, il serait bon que vous leur appreniez combien il peut être profitable de commercer avec l'Empire romain. Donc, 6000 de population, 60 de prospérité, 80 d'estime, bon ça va vite, il suffit de gaver César de cadeaux, 65 de culture et 60 de paix. Donc, pourquoi je faisais ça? Parce qu'il dit, il n'y a pas de nourriture. Or, ici, il y a des poissons. Ici, il y a des poissons. Poissons, poissons, poissons. Donc, dans l'idée, au début, il faudrait bâtir sans doute sur cette presqu'île pour avoir accès, en fait, aux poissons. Bah oui, même d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait faire. Et en plus, on n'aurait que ce chemin-là à défendre. Et ça, ça nous permettra d'économiser énormément de pognon. Parce que du coup, ici, on a juste à mettre un mur, un corps de garde. On fait toute notre cité de ce côté-là, avec des docks pour récupérer donc du coup le poisson. Ce qui pourrait être avec un grenier au centre, ce serait parfait. Et en fait, quand les légions ennemies arriveront, bah, ils arriveront forcément de toute façon du bord de la map. Et comme ça, on sera tranquille. Alors par contre, ça c'est... Non, là on peut savoir le panneau c'est quoi. Peut-être qu'avec celui-là. Voilà, il y a un panneau bleu et un panneau... Ok. Je sais plus c'est de quel côté qu'ils arrivent les paysans. Je sais plus si c'est du rouge ou du bleu. Mais je pense que le meilleur truc, ce serait d'arriver ici. De se mettre ici, on sera tranquille. Le son du jeu est faible, j'ai l'impression. Bon après, c'est pas si grave, mais j'ai l'impression qu'il est faible. Musique activée. Ah, c'est peut-être la musique que j'avais baissée déjà de base. On va la mettre comme ça, ça sera mieux. Alors, dans l'idée, on va faire comme tout homme civilisé fait au début en arrivant, défraîchir tout ça. Voilà, hop, ça c'est fait. J'ai même pas regardé ce qu'on avait. On avait ça comme atelier, comme matière première, on a des chantiers de bois. Donc bon, on les fera ici, je pense, les chantiers de bois. On va essayer de garder... Ah oui, là, ça peut être bien. Alors, on va préparer ce qu'on a à préparer. Les murs, c'est là. Hop. 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 Oui, admettons. Pas joli, mais bon, c'est pas grave. Un corps de garde. Voilà. Ensuite, on prend notre chemin et on l'amène ici. Et ensuite, on va pouvoir faire notre petite cité. Donc l'idée, c'est d'avoir des quais, deux quais, chantier naval. J'aurais peut-être dû faire l'inverse.
cassez-vous. J'ai mis le jeu à 10%, donc forcément, cassez-vous. On va le faire de l'autre côté. L'idée... Non, là, c'était bien. Voilà, merci. Donc, ça ici... Non, pas un dock, un quai. Ah oui, mais attendez une minute. Lui, il peut pas passer, là. Un autre endroit où je peux mettre un quai. Là, ça peut se faire. Hop. Oh, vous êtes sérieux? Et puis tout à l'heure, je suis en train de gâcher de l'argent. Ça m'emmerde. Un quai, s'il vous plaît. Bon, on va en mettre... deux. Même si normalement, c'est un quai par... par chantier naval. Hop. On va faire un grenier. Et on va faire notre propre... Ah oui, forcément. Non, c'est pas grave. Hop. Études d'ingénieur. Préfecture. Du coup, là, faut impérativement faire des temples pour des thunes. Il va falloir faire des tours. Hop, on se met de l'autre côté. Voilà. Il leur faut, je pense... On va prévoir notre réservoir. Voilà. Bon, admettons. Hop, on va remettre le jeu à sa vitesse normale. On va attendre que tout le monde arrive. Ok, donc les gens viennent de là. Ça, c'est un bon point, parce que du coup, ils ne mettront pas 3 heures à arriver comme dans la précédente mission. Voilà. Allez, maintenant faut que tout arrive. Est-ce qu'on va faire déjà un fort? Je pense qu'on va peut-être faire un fort. Et du coup, une caserne. Je cherche quand même une étude d'ingénieur et une préfecture. Au cas où. Alors là, c'est qu'il manque des gens. Ouais, il manque de la main d'œuvre. Qu'est-ce qui va leur manquer à eux?
Ah oui, c'est l'attrait, ok. Donc là, l'idée, c'est d'attendre qu'il y ait de plus en plus de gens qui arrivent pour avoir de la main-d'œuvre, pour pouvoir faire fonctionner les bateaux, pour pouvoir après aller chercher la bouffe. Prendre un peu de temps, mais bon. Parce que là, évidemment, au niveau, niveau bouffe, on peut pas faire grand-chose. Parce qu'en fait, on est où? On est là. On peut commercer avec eux qui vendent du blé. Ah bah c'est la Miletus, oui, c'est une des cités qu'on avait fait, ça. Elle, c'est moins cher. Ah mais non, mais c'est par bateau, ça. Du coup, les deux, c'est peut-être par bateau. Bon, c'est pas... On va faire un dock. Tenter de faire un dock là. On va faire un entrepôt juste à côté. On va refuser tout pour l'instant, sauf... le blé. Évidemment, on va tenter d'importer du blé. Même si on a que 5000 balles et on a rien pour pouvoir... Il y a personne qui achète... Eux, ils achètent du poisson. Du coup, est-ce que... Ouais, mais le problème, c'est qu'ils achètent que 15 poissons. Il y a le problème. Eux ils achètent des armes et des meubles, eux ils achètent du marbre. On peut faire du marbre? Ah, et ben c'est ce qu'on va devoir faire. Oh, ça devrait aller niveau pognon. Si on arrive à se faire des carrières de marbre, c'est bon. Incendie dans la cité. Mais merci, je l'avais. Ah oui, parce que c'est une map désertique. Forcément. Par contre, je me dis... Ouais, le pont. Quoique là, on peut faire un pont bas. Hein. Alors là, l'idée, ça sera de faire des carrières de marbre, hein, ici. Hop. Rome augmente les salaires. Alors, c'est pas une énorme idée. Alors, hop. Pourquoi je fais ça? Comme ça, ici. On peut... Au pire, faire un autre entrepôt. Il va servir pour le marbre. Alors, par contre, lui, je vais lui dire d'aller chercher la nourriture, parce que sinon, il va pas y aller. Bienfait de Neptune, ouais. Du coup, forcément, je vais avoir là pour l'instant des gens qui vont pas être contents. Ouais. Logique. On va mettre. On manque quoi en main d'œuvre? Rome paye 33. Ah ouais, donc ça va être un peu... ouais. Il va falloir au bout d'un moment augmenter les salaires, parce que sinon les gens vont gueuler.
mettre un dispensaire à la place. Là, c'est que j'ai un bateau qui attend au port, en fait. Ouais, voilà, j'avais un bateau qui attendait au port, en fait. Ah, mais oui, on n'a pas d'armes. Bravo, le veau. Beauté. On n'a pas d'armes. Est-ce que je peux raser ça? Ouais. On n'a pas d'armes. Ah oui, bah du coup, oui, forcément. Forcément, non. Qu'on puisse accéder, en fait, à toute l'île. Bon, je sens que César va venir nous souffler dans les bronches parce qu'on aura été vite pour nos fonds, mais bon. La cité a besoin de personnes. Les ennemis s'approchent de la cité, bah ouais. Bon, on a nos murs, mais bon. Ce serait bien d'avoir une petite légion. Il manque un marché, ouais, je suppose. Bon, on verra ça plus tard, ouais, pour eux. Okay. Salut Naevis, comment ça va? T'as avancé dans FF14? Pas du tout. Bah ça va, ça va, ça va. On commence la mission 7 de Kaisar. Après une mission 6 éprouvante. Bah faudrait que je reprenne un abo et puis faudrait que j'ai du temps pour y rejouer. Quoi. Quand j'aurai mon Shadow en juin, je l'installerai peut-être dessus. Alors en fait, là je prends que les missions pacifiques, mais même en mission pacifique, tu as quand même accès au fort pour pouvoir te défendre. Donc là pour la mission 7, on a la chance d'avoir un petit bras de terre à ce niveau-là. Ah, vous êtes sur Omega? Moi je suis sur Anarok. Eh oui. Faudrait que je change de serve alors. Faudrait que je vois ça. Mais je sais plus si je m'étais fait un perso sur Omega aussi. Parce que j'ai deux persos en fait.
Et je crois que j'avais commencé un perso peut-être sur un autre serve, je sais plus. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde sur lequel il est l'autre perso en fait. Parce que je crois pas avoir fait deux persos sur Ragnarok, ce serait bizarre. Bon alors, est-ce qu'on a des gens qui arrivent? On a besoin encore de 36 employés. Parce que tout le monde bosse. Ah mais j'ai pas fait fabrique d'armes. Bravo le veau, bravo. Bravo le veau. Bravo le veau voté. Bravo. Ah mais ça c'est la musique, ouais, la musique de fond de des premiers âges, enfin des premiers niveaux. Ah si, hein, j'aurais pu en faire. J'aurais pu en faire un autre. Fontaine. Pas comme ça, non. Il se révolte où? En tout cas, on en a du... Ah mais attendez, bah, on va faire un truc. Hop, on n'importe plus. Il se révolte où? Vous révoltez où, messieurs les gilets jaunes? Ah, là, bonjour. Comment allez-vous? Je crois que là, l'IA est un peu buggée en se disant « Comment je vais faire ?» Ça, on en a gros, messieurs. On en a gros. Ouais, bah alors. Ah, vous en avez gros, mais c'est parce qu'il est dimanche, là. Ah, on fait une insurrection que entre 14h et 16h. Ah non, c'est ça. Colère de Vénus. Oui, bon, voilà, quoi. J'ai pas besoin de rasoir, ok? Et plaf! Voilà, encore mieux que les CRS. Oui, Vénus. Admettons. Voilà, Vénus. Là-bas, je voulais, c'était... Mettre un réservoir à la fin. Oh, il n'y a pas accès à l'eau ici. Voilà. Ah, ils savent pas viser. C'est ballot. Hop, les maçons les plus rapides de l'Ouest. Ah oui, mais ils sont aveugles aussi, les javelines. Bah, j'oublie ce détail. Super. Commencer à m'ennuyer avec le porc. Mais putain, mais les javelines, là, vous pouvez pas faire votre boulot un petit peu? Pousser des charrettes à longueur de journée réclame mon énergie. Et comment je suis censé pouvoir travailler sans rien dans le monde? Mais non, mais Mars, ça repart, Michel. Ah ça, pour tirer sur des zèbres, il y a du monde.
Mais pour tirer sur des mecs, y a plus personne. C'était vraiment de la gueule du monde. J'ai presque envie de recommencer la mission, en fait. Voilà. On va recommencer. On va mettre 350 javelines. Et vise et tout. Alors. Hop. Hop. Un corps de garde. Tac. Hop, hop. Ensuite. Bim, bam, bam, bim. C'est pas la cité la plus fortifiée de l'Ouest. Tac. Ah, et du coup, oui. Mon chemin est un peu merdique. Tac. 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 Ouais. Ensuite. Alors, 1, 2. Ensuite, grenier. Hop. Paf et paf. Ensuite, pas du tout là. Ok. Ok. Bim, boum, bam. Et ça fait bim, bam, boum. Chantier naval. Bim, bam. Et au pire. Hop, tac. Il faut un marché. Il faut un temple de Neptune. Un temple de Mars, sinon les gens gueulent. Un réservoir ici. Un réservoir ici. Ensuite, fontaine, je ne boirai pas de ton eau, là et là. Jardin là, jardin là. Voilà. Ensuite, Pomba ici. Timon et Pomba. Hop, hop, hop. Next. Matière première, marbre, bam, bam. Matière première, marbre. Hop. Là, on va faire. Je peux en faire 4. Je peux en faire 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un puits. Et on refait un marché à proximité. Ici, on met études d'ingénieur. Ensuite, on met préfecture. Préfecture,
préfecture. Étudiant d'ingénieur. Étudiant d'ingénieur. Voilà. Hop, sauvegarde, et voilà, ça au moins c'est fait. Donc là il nous faut maintenant de la bouffe. Alors, non, pas de chantier de bois. Enfin, il nous faut de la bouffe et il nous faut aussi des mines de fer. Hop. On va faire du coup des entrepôts. On va faire un dock. Hop. Lui, il va accepter. Alors, on va tout refuser. Déjà, premièrement. Lui, il va accepter le marbre et les armes. Ensuite, voir carte de l'Empire. On prend eux. Pam, pam, pam. Aucun doc disponible. Si, mais bon, voilà. On accepte uniquement le blé. Déjà on va acheter en masse du blé pour pouvoir combler le grenier le temps que la pêche se fasse. Et oui, il faut évidemment armes. Voilà. Ensuite, on va faire un fort de légionnaires et une caserne. La cité manque beaucoup de main d'œuvre, un peu. Mais bon, c'est en train d'arriver, donc on va laisser arriver les gens. Tranquillemente. On va mettre déjà un théâtre, pour être tranquille. Parce que là, bon, c'est surtout la bouffe que les gens ont besoin, je pense. Ouais. Mais bon, on va déjà préparer le théâtre. Préparer les termes aussi, un de ces quatre. Tu vois des gens là? Il y a des gens. Bon, ça va un petit peu mieux. Juste là, avoir un peu plus de personnes. Parce que là, il y a personne. Voilà. C'est vrai que lui, j'aurais pu le mettre là, en fait. Marbre et arme.
Aïe, mes oreilles. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de préfecture à proximité, en fait. Oups. Quoique pas si oups que ça. Est-ce qu'on pourra faire au pire quelques chantiers de bois? Allez, on se magne. Mais où est-ce qu'ils vont? Bande de gogoles. Vous savez que si vous avez fait en sorte que ça crame plus... En fait, je me dis 3, c'est peut-être suffisant en fait. Vu que de toute façon, on n'a pas la main d'œuvre pour les fabriques d'armes. Ah, c'est un peu trop joli. Alors, qui est pas content? Mercure, hein. On va faire un temple à Mercure, on va mettre. Allez, un peu plus de main d'œuvre, s'il vous plaît. Eux, c'est quoi qui manque? Ça, je me doutais, oui. Je me doutais qu'il manque... Ça manque de cris d'enfant. Je me disais bien, ça manque d'un truc. Alors, ça manque de quoi? Industrie et commerce. Ah, bon, c'est vrai, il n'y avait rien dans les entrepôts, mais ouais, putain, le temps que... Tant que ça arrive, du coup, il était déjà irrité, monsieur. Eh ben, en fait, le... C'était un pied, forcément. Allez. On a besoin de préfecture, s'il vous plaît. En fait, là, la divinité qu'on se fiche, c'est Cérès, dans cette mission. Dans cette mission, la divinité qu'on se fout, c'est Cérès. Parce qu'on n'a pas, d'agriculture. Donc, c'est bon, Cérès, on s'en fout. Plus important, c'est Neptune, pour les bateaux. Mercure, évidemment, pour les entrepôts. Vénus, parce que bon, Vénus est un peu chiant. Vénus, elle est un peu obligatoire tout le temps. Et Mars. Mais Cérès, inutile. Ok. Ouais, on a pas besoin dans l'industrie et commerce, quoi. Ouais, parce que le problème, c'est que... Là, il y a que 2 employés chez lui, en fait.
des plazas, quoi. Là, faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui arrive. Parce qu'il manque des gens. On va déjà prévoir un truc. On va prévoir d'exporter à partir de 5 unités. Déjà. Ce sera déjà intéressant. Ah, mais j'importe pas de blé. Depuis tout à l'heure, en fait. Alors que j'ai fait la route. C'est vrai que Vénus, là, elle est peut-être... Au CRS, c'est pas grave. Ouais, Vénus, c'est chiant. J'essaie de faire un autre quartier. Avec Vénus. Moi, ça devrait tenir normalement. Hein. C'est juste la boue qu'on va être limite. Après, c'est vrai que là, on a deux navires en attente. Là, oui, là, on achète. Bon, César va nous faire un prêt de toute façon de 5000 balles. Est-ce qu'on a de l'argent, nous? Ah, on a de l'argent. Je vais donner 500 balles. Ça va permettre d'y aller un petit peu. Donc, eux, là, ils sont en attente. Parce que là, il n'y a personne. Parce que d'un seul coup, on perd tout plein de baraques. Migration, les revenus sont trop bas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va payer à 34 pour route CRS, c'est pas grave. On va payer à 34, on payera un petit peu plus cher que Rome le préconise, mais bon. Pas encore. La morosité de votre cité. Ouais, c'est à cause de Vénus, ça. Et il va chercher la... Là, on a peut-être encore un bateau qui sait pas quoi faire. Ouais, il faut juste qu'il y ait des gens qui viennent. Ouais, c'est... Ah, ça c'est bien ça. Donc là, du coup, pour l'instant, bah, niveau militaire, c'est pas ça quoi. Encore ? Où ça ? À bas le gouverneur! Ah.
Je récolte cette cité. Alors comme ça, le gouverneur n'en a rien à faire de moi. Eh bien, je veux lui montrer, moi, ce que j'en fais de sa cité. Je n'ai pas rien à faire de vous. C'est juste que j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. En fait, là... Ah, mais c'est là! Ah oui, d'accord. On va faire un dispensaire en plein milieu du désert, et puis c'est tout. Pas assez de distractions. On va mettre un théâtre là, alors. Hein. Allez, on est où? 91. Encore des gens qui arrivent. Parfait. Un cadeau de 500? Oui. C'est bon. Allez. C'est vrai que j'avais oublié de d'activer le mode performance, donc chez vous ça devait légèrement laguer. Mais c'est bon, on est retour à nos 25 FPS traditionnels, parce que le jeu... En fait, si, pour éviter que ça rame, faudrait que je capture l'écran et pas capturer le jeu, mais bon. Je pense que 25 FPS, ça va pas... Ça ne pose pas de problème de toute façon au niveau des VOD. De toute façon, quand vous allez au cinéma, les films tournent en 25 images secondes. Hein. Si vous voulez découvrir un truc, vous allez au cinéma, et bah, votre film est en 25 images secondes. Voilà. Donc oui, vous faites le fou avec votre écran à 144 Hz, mais aller au cinéma, c'est 25. Et donc c'est une course de chars en fait, hein. Ya ta ta la ta la ta la ta la ta la. Là je suis sûr qu'on a. Attends, mais je suis sûr qu'on a du chômage maintenant. Et bah ça loupe. Alors il y a eu un tout 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 tout. Alors pourquoi il me dit du coup il manque des employés et du chômage? Il manque quoi? Ah oui, jardin, plaza, tout ça, tout ça. Ah oui, il n'y a pas de... J'avoue qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça. Il manque des temples à qui, là? Ah oui, juste à CRS, mais CRS, on s'en fiche. T'as accès à un point d'eau. Ah ben, je suppose que non plus. Pas grave. Non, on l'avait jamais vu du coup celle-là. C'est pas grave. Et puisque nous sommes dans une mission où on n'a pas de temple. Et on n'a pas de temple. On n'a pas de ferme. Vu qu'on n'a pas de ferme, bah en fait CRS, on s'en fiche.
1000 citoyens. Et donc, je suis sûr que j'ai du chômage. Évidemment, nous sommes la France. Il y a du chômage. Ah, c'est con que le dispensaire soit là. Et bah, paf, Senna. Et paf, plus d'argent. Alors, eux, ils ont besoin de quoi? Pas assez de distraction. Ouais, faudrait mettre fontaine ici, mais on n'a pas accès au truc, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui crame? Ah, c'est le théâtre qui crame. Ils ont cramé le théâtre, salaud! Qu'est-ce qui manque là? Ah oui, c'est. Ah, mais j'ai un quai qui est décédé, d'accord. Est-ce que... Eux, ils achètent du marbre. Eux, ils achètent du marbre aussi. Ah, mais eux, c'est par les routes. Bon, c'est pas grave. Eux, ils achètent des armes. Ouais, du coup, il y aura quand même une route à faire, peut-être, que pour eux. À Alexandrie. Les noviens sont en train d'emporter nos biens dans l'entrepôt. Que du coup, il faudrait qu'il achète du marbre, ce serait cool. Parce que là, pour l'instant, les armes, on en a besoin pour notre propre légion. Donc, Ah ouais, c'est quoi qui manque? Ah oui, on va commencer à arriver au niveau de la poterie maintenant. C'est vrai. Bah ouais, en fait, bah du coup, il reste que la poterie, en fait. Ah non, là, il y a les termes. Il faut en faire un terme de ce côté-là aussi. Pouette, 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 pouette. Je vais baisser un petit peu le son du jeu. Pouette, pouette. Il y a quand même un manque d'actes. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de... Allez, 16%, voilà, donc on va quand même... Faire de la poterie. Donc, pour faire de la poterie, il nous faut de la poterie et 2 cubes de cubeur. Non, il nous faut... Déjà... Ah, mais on peut pas... Ah, ben non, on n'a pas. Ah bah oui, donc je vais être obligé d'importer de l'argile. Ouais. Attends, y'a quoi je peux pas faire? Je peux faire des meubles. Ok, bon. Pas grave. Bah du coup, on va en faire deux.
bah non, pas par là. Super. Alors, la poterie. Alors, argile. Importation de biens. C'était ça quoi. Encore. C'est vrai que ouais, on aurait pu le mettre là, mais on peut le mettre à marché. Il n'y a pas d'autre endroit. Hein. Pouette. Alors ils sont où? Ils sont où? Ok, ils sont de ce côté là. Donc de toute façon ils vont faire ça, ça, et ils vont arriver par là. On va attendre qu'ils arrivent proche de nous. Ok. Ça, on va pouvoir être protégé par nos javelots s'ils arrivent à tirer. Rien n'est moins sûr. Est-ce que je peux redonner du pognon? Ouais. Mon poire est vexé. Pourquoi il était vexé. Alors, ils arrivent. Est-ce que je peux faire... Voilà, on désactive l'industrie des armes. Ça, on va stocker le fer pendant ce temps-là. On a du temps. C'est pas nager.
Oh bah, ils butent les marchands. Là. Ah. Fantastique. Formation tentée. Allez hop. Simple. Ah bon? Ah bon, il est pas content. Mais pourquoi ça? T'as un oracle alors hein. Parce que ça, il est pas content, c'est chiant ça par contre. Tous nos bateaux sont dans l'eau. Il en reste encore ? Ah non. Bon voilà. Par contre, le mec a dit peut-être 2 légions il faudra, donc bon, ça sera à voir. Mais il fait chier, lui. Pourquoi vous êtes pas content? Ouais, c'est surtout les potes qui en fait qui vont manquer. Mais. On m'ennuie avec le port. Bon, là normalement, ça devrait pas trop poser de problème. Si c'est trop aigu. Ça devrait aller quoi. Accès à une école ou une bibliothèque. Ça c'est chiant par contre. Accès à un point d'eau. Que les gens arrivent. Je me demande vraiment pourquoi je continue de passer par ici. Ils ne m'achètent rien, ils ne veulent rien me vendre. Bah si. On exporte du marbre. Là on attend juste que d'avoir assez de fer pour l'envoyer à Michel. Ok. Pas grave. Ah mais non, mais il n'y a pas de route ici. Thank you.
mauvais sens. Je m'y étais habitué. Ok. On dispose des stocks. Et ben on va lui envoyer. Hop, comme ça. Ça, hop, on va activer la manufacture d'armes. 26 en culture, 40 de destin, 12 de paix, 8 de prospérité. 8 de prospérité, c'est tout. Ah oui, prospérité est en hausse, faut vraiment que ça augmente. Pas assez de bibliothèque. Bah ouais, c'est ce qu'il dit Michel. C'est ce qu'ils disent eux. Il n'y a pas assez de bibliothèque. Le problème, l'eau, c'est que je paye pas en mètre. Je paye pas en mètre de bibliothèque, l'eau. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, oui. Ils veulent Stéphane Claudio. Et si je mettais une petite statue? Ça, ça augmente bien l'attrait, ça. Ça sert à rien, mais ça augmente bien l'attrait. Ah oui, c'est tous, ils n'ont pas de fontaine, là. Non, pas de fontaine, pas de fontaine. Ah bah bien sûr que si qu'ils ont une fontaine. C'est juste moi qui les ai pas mis. Voilà. Maintenant vous avez une fontaine. Alors qu'est-ce qui va pas ici? Les poteries, yes. Ouais, c'est juste c'est l'argile qui a du mal à arriver quoi. Bah en fait ouais je suis con, je devrais mettre peut-être les fabriques de poterie ici. Et au pire là on va faire des ateliers d'armes. C'est bien. Parce que là en fait du coup ça fera directement argile, into poterie, poterie, into entrepôt et ça fera ça tout le temps quoi. Et puis si on veut, on fait ça, comme ça, on voit pas les pauvres travailler. C'est un jeu très contemporain. Hein. Imaginez-vous Shenzhen, China. Voilà. Et voilà, l'usine des smartphones. Qu'est-ce qui manque ici? Pas accès à un point d'eau. Oh. Bah, c'est qu'il faut atteindre 6000 personnes, sinon là on a une belle petite ville. Hein. Peut-être sauvegarder. Évidemment là ça va être les meubles, hein, faut m'en douter. Ah oui, au fait, je les ai pas. Je ne les ai point rentrés. Ah, il y a des ennemis. Ils peuvent pas. Il est possible de se divertir, mais pas suffisamment. Ah. Donc il faut un. Un théâtre, voilà. Parce qu'ils ont un amphithéâtre, mais ils font un théâtre. Pas grave. Ah oui, c'est vrai que le marché, il est hyper loin, en fait. On va en faire un, là. Peut-être faire une bibliothèque, alors, du coup. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Faire au moins une, là.
12% de chômage, donc ça va. Là, on commence à être blindé en armes. Je vais voir si on peut pas en vendre quelque part. Il en achète ici. Exporté à partir de 5 unités, comme pour le marbre. Et bah, parfait ça! Ça, on peut toujours importer du blé. Toujours importer un peu de, d'argile. Ah. En fait, je pense que c'est parce qu'il manque une préfecture. Ça, par contre, c'est con. En fait, ils ont vraiment besoin du théâtre ici. Parce qu'il y a déjà un théâtre là, quoi. Parce que eux, ils ont vraiment besoin du théâtre. On verra. La poterie. C'est le temps vraiment que la poterie arrive. Peut-être faire un atelier. J'ai du poisson qui vient de là. Ah oui, mais qui vient d'ici, oui. Auriez-vous un peu de pain? Je n'ai pas mangé depuis des jours. Ouais, il y a de la bouffe, là, quand même. C'est en flux tendu, mais il y a de la bouffe. On a encore des... Putain, on a encore des bateaux qui attendent au quai. Enfin, qui attendent d'avoir un quai. Ah, c'est con. C'est con, du coup, en fait. J'aurais pu en mettre un, deux... Très difficile. Par contre, là, ça peut être intéressant. Que le truc est juste là. Donc, pourquoi? Par contre, le poisson va devoir faire tout ça pour arriver. Mais bon. On est où? 9% de chômage? En fait, faudrait faire des écoles de théâtre. Qu'est-ce qu'on va faire? On est à 5000 balles. Oh, bah c'est bon. On va faire... on va faire, je pense, un quartier ici. Avec école de théâtre et tout ça. Même si du coup c'est assez loin de, d'un peu de tout. Ah, mais ce genre de muraille. Ah oui, 4. Non, mais au bout d'un moment, on nique la subtilité. Hein. On va essayer de refaire un quartier ici. Hop. Ouais. Comme ça, déjà ici, on va se faire. C'est pas là.
T'es toujours en négatif. Alors, sur cette mission-là, t'es toujours en négatif au début. Pas au début. Mon truc. C'est dégueulasse comme chemin. C'est pas ça. Non, c'est, ou alors, c'est même pas une question de dépenser trop. C'est est-ce que tu vends des trucs? Parce que c'est ça surtout en fait qui fait que je gagne du. César, tu veux du fer? Ok, donc manufacture d'armes, on arrête. J'ai cru voir un truc cramé, non? Non, d'accord. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est dès que tu peux vendre du marbre et des armes. Bon, bah. Niveau pognon. Voilà. Et pareil, ne pas perdre, entre guillemets, d'argent en faisant des temples pour des divinités qui servent à rien. Typiquement, là, c'est une mission où on n'a pas besoin de ferme, donc CRS, on s'en fiche. Quand c'est des missions où t'as pas besoin de faire de bateau, Neptune, tu t'en fiches. Quand c'est des missions où tu n'as pas de combat, où tu es sûr de n'avoir zéro combat, donc soit t'as pas accès au corps de garde et tout ça, t'as des missions comme ça, Mars ne sert à rien. Vénus sert tout le temps et Mercure aussi. Ah oui, non mais attendez deux minutes, je n'ai pas fini votre quartier. Cramé après. Non, je sens qu'il y a un truc qui crame à mort. Où est-ce que ça crame? Ah mais non, mais c'est eux. Le potentiel des traitements civilisants, nous sommes prêts à exporter encore davantage ce produit. Fantastique. Alors, atelier, meubles. 3. Next. Ah oui, il y a du poisson là. Ah. Deux minutes. Attendez, je ne suis pas prêt. 2 minutes. Attendez, je ne suis pas prêt. Ils viennent d'où? Ils viennent de là? Okay. Quoique le temps qu'ils arrivent... Restez dans votre fort. Vous étiez bien. Mais oui, voilà, c'est... Il y a surtout des concessions à faire pour éviter. Enfin, surtout pour éviter de s'embêter. Hein. CRS par exemple, je ne vais pas m'embêter à améliorer son truc. C'est beaucoup inutile. Ah, mais ils se mêlent aux ennemis en plus, eux. Non, s'en fout. Qu'est-ce que je voulais déjà? Hop. Ouais, donc... Bon, c'est pas grave. Oui, il va toujours manquer une préfecture, moi, ici. Il va toujours manquer, je pense, une étude d'ingénieur là. 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 Vous pouvez venir m'acheter du marbre, s'il vous plaît. Et
Et surtout, ne pas oublier de faire un forum. Pour récupérer les taxes. Les gens payent des taxes. Ils payent 7% de taxes, ça va. C'est bon. 8% de chômage. Bon, ça va. Ah. Nightbot. Nightbot est un petit peu chafouin. Oh. Attendez, quoi? Ah mais c'est... Attendez, déjà, on arrive. 2 minutes. Les CRS arrivent. Paf, dans ton cul. Oh la vache, c'est con. Il me pétait mon grenier, quoi. Mais chute. Voilà, tout qui vient. Hop. Allez, approchez un petit peu. Là il manque quoi? Ah c'était... où est-ce qu'il manque des plates là? Mais pourquoi vous vous barrez? Allez bien ma vie. Les revenus sont trop bas. What the fuck? Ah oui, maintenant Rome paye à 35. Mais revenez, j'ai du cassoulet. Bon, ça crame aussi, mais j'ai du cassoulet. Non, bah non, idiot bête. Colère de Mercure. Mets-toi un thermomètre dans le... Voilà, hein, bon. Vous l'avez, Mercure, le thermomètre. Oui, bah du coup, en parlant de temple de Mercure... Voilà. Faudrait que le mec arrête de se faire voler des trucs, hein. Vous avez besoin de quoi, vous? Ils veulent plus de divertissement. Bah, regardez, elle arrive d'en face. Les gens se tapent dessus. Ça, c'est du divertissement. Encore mieux que la télé-réalité, la réalité. Bah, comment vous pouvez pas suffisamment vous divertir? Peut-être que je vais mettre une école de théâtre quelque part. À la base, je devais la mettre en bas. Mais. On va la mettre là. Eux, ils vont hurler parce que je leur ai enlevé leur jardin. Voilà. Merci. Je m'en doutais. Voilà. Bah, du coup, vous rentrez chez vous. On va mettre des murs. En mettre une tour là.
L'opprobre d'une fontaine. Fontaine. Est-ce que fontaine peut aller jusque là? Oui. Hop. Fontaine. De chômage, c'est bien, ça, c'est parfait. Lissapa d'Arfoplan, oui. Pas grave. Ah bah c'est sûr que si vous passez trois fois la même pièce de théâtre, les gens peuvent en avoir marre, je pense, oui. Où est-ce qu'on en est? Prospérité est en hausse, toujours. Pas assez d'université. Passer d'université. Ouais. Eux, c'est quoi qui vont pas passer de distraction. Ok. Un théâtre ici. Passer d'université. Ah, pas d'université. Là, il y a un chemin qui peut passer. Parfait. Est-ce qu'on développerait pas ce côté-là aussi? On va pas être une école là-bas, idiot con. Hop. Le marbre, c'est la vie. Hop. On va peut-être refaire un petit truc de fer. Le problème, c'est que le truc de fer précédent est pas super. Voilà. Mine de fer. Étude d'ingénieur, préfecture. Voilà. On peut avoir un quai en plus. Voilà. Ah bah oui, d'un seul coup, les gens... boum. Et ils ont besoin de quoi? D'un barbier. Ah, c'est vrai. J'avoue, un barbier, c'est... J'imagine tellement ça dans la vraie vie. Peut-être t'as une maison qui demande un barbier d'un seul coup. J'ai besoin d'un coiffeur. Boum. Un coiffeur. Ah mais oui, d'accord. Quoique c'est vrai qu'il y a une étude d'ingénieur là. C'est vraiment juste préfecture qui manque. Mais là il y en a de la bouffe, dites donc. Ah mais ils sont tous pleins en fait. Oh bah c'est parfait ça. Qu'est-ce qui manque? Passer un point d'eau. Ah, c'est vrai que j'avoue. Marché théoriquement, elle devrait passer comme ça, donc elle devrait passer là. Bon bah, elle va pas être si difficile que ça cette mission en fait. Attention, vous aurez plus de nourriture, nanana. Ouais, bah mes greniers sont pleins, quoi. Niveau nourriture, c'était plus chaud dans la mission d'avant. Pourquoi il se barre? On a un problème. Les dieux nous en veulent. Mais non. Ah, c'est... ouais, non, ça va. Qu'un problème. Vénus est irritée. Oh. Bah oui. Alors, Vénus... Hérité. Ah, je l'ai vu. Ce qui veut dire que... Voilà, il y a une étude d'ingénieur qui passe pas par là. Et ça, c'est pas bien.
Après, il y a des gens qui sont là. Hein. Ouais, ça faudra attendre. Non, pas un puits. On peut avoir accès à une fontaine, donc on va mettre une fontaine. Lilililililit. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Ah, oh, la tour. Hostitour. Pognon qu'on a, on pourrait tout faire en plaza. Peuvent pas suffisamment se divertir. C'est grand. C'est grand quand même. On verra où la prospérité s'arrête en fait. École. Enlever ça, ça sert à rien. Pouette, 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 pouette. We build a wall. Attendez 3 secondes, prenez la déviation, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Excusez-moi. Merci. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Et donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des trucs? Mars qui est irrité. Ah. Ben voilà une petite crème de jour, Mars. Ah, eux, ils ont pu rapetisser parce qu'il n'y avait plus assez de. Plus assez de. De meubles, je pense. Hop, hop. Il y a encore des problèmes. Mais ça, si, normalement, il y a un marché qui doit passer par là, je crois. Je crois. Ça, les jardins, ça va être compliqué. Mais bon. Bah, ils ont accès à... Oui, le puits qui est en face. Pouette, pouette, pouette. Oui, normalement, il y avait un... Oui, il y a une mise aux portes, ouais. PNC aux portes. Armement de toboggan. Ah mais c'est encore les pecnos.
Non mais en fait... En fait, c'est peut-être pas une bonne idée de construire ici, quoi. On a des jardins. On est bon au niveau... Ouais, on a 9% de chômage, vous voyez bien. On va faire du flux tendu, je pense. On va refuser le bois. Et je pense qu'on va faire que du flux tendu. C'est pas une mauvaise idée. Vu que de toute façon le bois on le vend pas. Autant le faire en flux tendu. Les CRS aux portes de la ville. Par contre, là, il y a un trou, non? Totalement. Là, il y a un trou aussi. Naval. Je sais pas si ça va... Ouais, là c'est le marché. On est où? 5% de chômage. Ouais, l'accès à une fontaine. Dommage. Ouais, eux peuvent pas suffisamment se divertir. Si je remets un théâtre ici. Les maçons les plus rapides du monde. Non, c'est l'huile qu'il faut. De l'huile. Ah oui, mais de l'huile, il faut que j'importe encore des trucs. C'est ça le problème. Du coup, on va peut-être refaire du marbre. Si j'ai de la place. On va refaire peut-être deux carrières de marbre. En fait, c'est comme ça en gros qu'il faut, c'est se dire s'il faut que j'achète quelque chose, il faut que derrière je me dise est-ce que j'ai assez de rentrée d'argent. Et l'idée, c'est de faire plus de carrières de marbre pour avoir plus de marbre dans les entrepôts pour que les mecs nous en achètent un peu plus. Pour ensuite essayer de voir si on peut en acheter. Acheter de l'olive, oui. On va prendre une route chez eux. En plus, ils achètent également des armes. Donc, s'ils peuvent nous acheter un petit peu plus d'armes, ça peut être vachement cool. Et donc, on va importer de l'huile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un entrepôt du coup à huile et à olive. Pour que derrière, on puisse faire... Oui, bon, on va faire directement ça. Et on va importer des olives.
Du coup, je vais peut-être enlever cette tour, parce qu'elle sert pas. Ah oui, du coup, il n'y a pas de route. Attendez, vas-y, c'est pas grave. Gonde. Hop, hop, fontaine. Par contre, j'aurais bien aimé mettre un marché. Mais ce n'est point la place. C'est ce qu'eux vont manquer en fait. Ok. Alors, ils arrivent d'où? Toujours du même endroit? Ouais. Ok. Des problèmes de main d'œuvre. Ah ouais, on va commencer à avoir des problèmes de main d'œuvre. Alors poète, 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 poète. Non, ça va, c'est que des petits. Donc dans l'idée, ouais, on va se poster là, comme on fait, puis on a nos trois trucs. Ah, non, nos deux trucs, parce que là, il manque. Et salut, c'est gros. Comment vas-tu? Ah oui, bah c'est les nouveaux. Oh, les nouveaux avec leur friteuse, quoi. Par contre, faudrait commencer à y aller un petit peu niveau solo. Bah ça va, ça va, ça va. Ça va être les vacances tranquillou. Là. Casse-toi, merci. Dernier stream avec avant en fait la. Je vais dire les vacances, oui, avant. Attendez. Oui, du meuble. Non, c'est quelqu'un qui a posé sa chaise ici. Avant de se détendre un petit peu en vacances en famille. Donc ça va bien. Allez. Envoyons les CRS. Et voilà. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Plus de divertissement, mais vous croyez où, à Avignon? Qui manque des mains d'œuvre dans industrie et commerce. Ouais, il va falloir des gens. Bibliothèque. Maître de l'Olympe, c'est celui de Zeus, non?
parce qu'il y avait il y a eu Pharaon. Pharaon, Zeus et Picaézar. Bah non, et d'ailleurs, oui, tu me fais penser à un truc. Je n'ai jamais fait Pharaon. Alors que j'avais la démo, je n'ai jamais vraiment joué à Pharaon. Et je crois que j'ai jamais fait Zeus non plus. Enfin, Zeus, c'est sûr, j'ai jamais fait. Sûr et certain. J'ai jamais fait Pharaon non plus. Alors que Pharaon est trop bien. Il y a un remake bientôt de Pharaon. Par contre, j'ai fait Caesar 4. Après, j'en parle et je me dis, il faudrait. J'ai retrouvé le CD. Par contre, j'ai pas de lecteur CD sur l'ordi. Donc. Ton préféré, Zeus? Ouais, je me le fasse. Ouais, je vois. Arrêtez de tout cramer, ça me fait chier. Quoi? Ah oui, là derrière, ok. Je n'avais point vu. Mais ouais. Sinon, on fera peut-être Pharaon. Que je crois que Pharaon, le gros plus en fait de Pharaon, c'est que Impressions Game, donc les gens qui ont développé Caesar 3, même je crois les autres d'avant, mais Caesar 3 c'est sûr, ah tu l'as sur GOG, ah bah ouais ça peut être cool, si t'as Zeus sur GOG y'a aucun problème, tu pourrais me le passer. Si tu as Pharaon, ça peut être bien aussi, sinon je le prendrai. Je sais pas s'il est en abandonware, Pharaon, tiens, ça a l'air bien. Je crois qu'il est peut-être en abandonware. Mais oui, j'allais dire, en gros, le truc qui est bien avec Pharaon, c'est qu'Impression Game a un peu lissé Caesar. Notamment, les divinités sont moins chiantes à up. T'es moins obligé de construire 350 temples. Il y a tout cet aspect-là qui a été vraiment lissé, où c'était vraiment débile. Pareil, je crois qu'il y a des trucs niveau zone d'effet, etc., que ça a été modifié. Donc, qu'on voit dans Caesar, où typiquement tu peux construire une école, mais si tu as le personnage qui passe pas devant, c'est comme si l'école n'existait pas. Ils ont encore augmenté les salaires? Mais vous prenez pour qui? Ah oui, ça va. Allez, moi, je vous paye à 37. Parce que, voilà. Tout le monde est mécontent. Bah, c'est bien. On dirait la France. Mais Pharaon, il est peut-être en abandonware. Faudra que je regarde. Ah oui, justement, parce qu'ils ont changé ça. Bah après ça dépend, ouais, le problème c'est quand Pharaon est sorti, je crois que Pharaon est sorti en 98 je crois, je sais plus, 98 ou 99, et il y avait déjà un renouveau du genre quoi. Faudra qu'on se le fasse Pharaon. Soit Pharaon, soit Caesar 4, mais pour Caesar 3... Voilà. Pour Caesar 4, il faut que je récupère un lecteur CD quelque part. Ou alors un lecteur CD USB, je trouve ça. Ou alors je le re-télécharge sur GOG. Enfin, je le rachète sur GOG. Mais en fait, eux, pourquoi vous êtes pas content, vous? Sinon, je vous enlève, hein. T'as besoin de quoi? Plaza? Vous avez des plazas.
Ah, c'est ça, 99. Zeus 2000, yep. Ce que je me disais, surtout qu'en plus, vous êtes sans doute en train de vous dire, mais il est con, il a noté l'adresse, juste l'adresse, l'année juste là. Oui, sauf que j'ai pas le retour en fait, parce que pour éviter que le jeu rame. Il faudrait que je capture l'écran au lieu de capturer le jeu. Bon, du coup, vu que vous êtes chiant, au revoir. Ah, bah, pas accès à une école et tout ça. Ah, bah, y a pas de soucis, voilà une école. Ah, ouais, 98, la meilleure année du jeu vidéo. On a déjà fait. Si vous vous souvenez, jadis, dans les temps jadis, on a déjà fait Explore. Ah, Explore. Explore, c'était cool. On avait fait Explore. 98, c'est l'année de Half-Life. Et ouais, Half-Life que je pourrais faire, très, parce que ça rentre totalement dans les deux heures de rétro avec Metro. Des jeux de mon enfance. Tu connais pas Explore ? Ah, et bah ça tombe bien. Tu vas sur ma chaîne YouTube Metroid 02 et j'ai fait un let's play de Explore avec des accents, parce que c'est accent typique jeu des années 90, c'est un peu comme ça quoi. J'ai peur. Non, ta gueule. Les dieux, ils sont pas contents, ils vont tous nous foudroyer. Je me demande vraiment pourquoi comme je ça. Continue de passer par ici. Ils ne m'achètent rien, ils ne veulent rien me vendre. Accent des années 90, hein. Je suis... On a un problème. Les dieux nous en veulent. Ah bah, c'est tout un art, hein. Bon, tout le monde n'est pas content. Oui, d'accord, mais sinon... Eh bah, on va faire un oracle. On va faire un oracle... ici. Non, pas ici. Là, voilà. Accès à une école. Bon, enfin, une école proximité. J'avais jamais vu que le Sénat évoluait. J'ai jamais fait gaffe. Il est payé à combien ? C'est où déjà ? C'est là. Il est payé à 40 ! Mais purée, vous pensez qu'on est quoi en Suisse ? Prospérité est en hausse. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle va s'arrêter. On va peut-être lui envoyer... non, pas un cadeau. Des guépards et des girafes. J'avais pas encore envoyé ça, moi. Hop. Quand même 14 000 balles, hein, c'est pas mal. Mais ouais, on a fait l'année 1998. Il y avait quoi d'autre en 98? C'est un peu ça en fait. Explore, c'est pas un RPG Donjons et Dragons, c'est plus un aventure RPG un petit peu créé par des Français. C'est plus un jeu comme ça, c'est plus un jeu aventure RPG. C'est bref, c'est assez unique. Un peu Gauntlet, si on voit Gauntlet. Baldur's Gate. Ah, Baldur's Gate, c'est 98. Ah, j'aurais pensé que c'est 97. Starcraft. Oh, purée, ouais. Oh là là. Oui. Totalement. Ah, Fallout 2. Au lieu 2, je n'avais que la démo. Pas le jeu. MGS 98, mais oui, totalement, que je suis con.
Évidemment. Évidemment, MGS. C'est évident. J'ai viens d'enlever la fontaine. C'était quoi qu'il y avait là? C'était une préfecture, non? Ah non, c'était un barbier. Quoi? Je sais plus. Bon, admettons. Mais ouais, trop de bons jeux, 98. Hein. Trop de bons jeux. Hein. Half-Life, ouais, je crois. Faudrait que je me refasse. Je l'ai, Half-Life, je crois, sur Steam. Xenogears, non. J'avais pas de PlayStation. En fait, le pire, c'est que MGS, j'ai joué en 2000 sur la version intégrale qui est ressortie sur PC à la base. Donc, je n'y avais pas joué. Tenchu, mais oui, Tenchu. Tenchu, j'y ai joué des heures, c'est à la colère divine sur PS2. Et à Tenchu Z aussi sur Xbox 160. J'adorerais, putain, que la Xbox 160 puisse être émulée. Juste pour rejouer à des jeux qui... Bah, dont la licence ne nécessite pas un remake, quoi. Malheureusement, Tenchu... C'est que le premier Tenchu... Tenchu la colère divine. Masterpiece. Totalement. Alors là, je... Tenchu la colère divine. Qui s'émule super bien, d'ailleurs. C'est... De toute façon, l'émulation PS2, à l'heure actuelle... Vous avez une patate, vous pouvez faire tourner l'émulation PS2. Il n'y a pas de problème. L'émulation PS2 se fait super bien. C'est comme l'émulation Xbox, quoi. J'adorerais des émulateurs Xbox, mais pour l'instant c'est chaud. Il y a des émulateurs qui sont en cours, mais bon, c'est pas ouf, quoi. À dire, on arrive mieux à émuler la Switch, même si on va me dire c'est pas trop dur, mais on arrive mieux à émuler la Switch que la première Xbox. Quand même, c'est chaud. On arrive à émuler la PS3, d'ailleurs. On arrive à émuler de la PS3, mais pas la Xbox. Bon, du coup, je discute depuis tout à l'heure, mais eux, c'est des termes qu'ils veulent. Oh, il y avait des jeux pas trop mal. Mais après, ouais, c'est vrai que les exclus Xbox... Il y avait des jeux pas trop mal, quand même. Les Midtown Madness... Il y a des épisodes qui sont sortis que sur Xbox. Avec Tatas et Pilou. Ces gens qui ont joué à Midtown Madness 3 doivent se souvenir de Tatas et Pilou. Parodie de Tintin et Milou. Ne me demandez pas pourquoi. Attendez, il y avait de l'eau ici au moins. Oui, il y avait de l'eau. Accès à réservoir plein nécessaire. Ah, mais l'icône a bugué alors. Ah non, mais faut l'homme, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils se sont dit que ça allait être marrant. Bon, c'était drôle sur le coup, mais bon. Juste pour Tata et Pilou, moi je vais y rejouer. Hausse des prix du blé, super. Mais Midtown Madness 3 était cool parce qu'en fait, ça se passait dans 3 villes différentes. Et donc il y avait un mode où on pouvait se balader et tout ça. Et en fait, quand on était en France, donc c'était à Paris, et évidemment... Et en fait, il y avait que des modèles de voitures propres à la France. Quand t'étais aux États-Unis, t'avais des modèles de voitures qui étaient propres aux États-Unis, etc. Et ça, je trouvais ça cool à l'époque de se dire, ah ouais, putain, on est en France, bah forcément, t'as des Peugeot 206, t'as telle voiture. Et ils avaient vraiment recréé des quartiers de Paris, en fait. On avait vraiment l'impression d'être dans Paris avec des petites rues sinueuses, alors qu'aux États-Unis, c'était plus des longues avenues. Des longues avenues, des longues routes, alors que dès que t'étais en France, bah, c'était vraiment des petites rues à 90 degrés, et c'était assez cool. Après, sur Xbox, bon, bah, évidemment,
Pable, évidemment. Pable. Qui est ressorti, évidemment, sur PC. Avec l'extension. Pourquoi tout le monde se casse? Quel est le problème? Ils veulent plus de bibliothèques. Oh, bah, prenez des livres et lisez chez vous. Vous connaissez Amazon? C'était 98 commando. Comment ça c'était 98? Comment ça c'était 98 commando? Ah mais commando, commando c'est trop bien commando. Commando qui est sur la liste des 2 heures de rétro. Que je le rachète sur GOG quoi. Passer de distraction. Bah regardez les bateaux passer, ça va vous distraire. Non bah y'a pas la place. On verra. Commando c'était en 98. Ouais non mais ouais je vois évidemment. Évidemment je vois de quel commando tu parles. Ouais. Si c'est le premier. C'est le premier. Ah, je pensais que c'était 97, c'est pour ça que... Non, c'était peut-être début 98. Ah bah ouais, du coup, oui, 98. Seal of Approval, hein, totalement. Mais ouais, commando derrière les ennemis, Behind Enemy Lines, avec après l'extension qui est une extension standalone, Le Sens du Devoir. Mais arrêtez de vous barrer, on est bien ici. On a un problème, les dieux nous en volent. Oui, bon bah les dieux, c'est qui, voilà quoi. Mais ouais, commando. RE2, ouais. RE2. Alors, RE2, ouais, souvenir. Comme je disais, j'avais pas de PlayStation. Hein. Enfin, pas de PS2 non plus, hein, j'allais chez un pote. Mais ah non, il a mis du gold, ça c'est clair. Hein. Totalement. Et RE2, c'était un pote à mon cousin qui l'avait. Et quand on était mangé chez lui une fois, mon cousin et lui, bah, ils jouaient, et moi j'étais derrière à regarder. J'avais la trouille. Clairement. 98, j'avais la trouille. Et jouer du coup à RE2 et même la jaquette de Resident Evil 2, ceux qui se souviennent, la jaquette pâle, c'était un crâne en fait. Et moi rien que la jaquette, je me disais mais bordel, c'est... Enfin j'étais pas bien quoi, je me disais mais c'est quoi ce jeu quoi. Bon après je vais vous dire, on va dire j'avais la trouille, chez moi j'avais Eden Dangerous, j'avais Commando, parce que oui j'avais Commando, donc oui bon hein, voilà quoi. Mais bon. Et RE2, rien que la jaquette tu te dis ah putain c'est quoi ce jeu quoi. Et ouais Parasite Eve et Ocarina of Time aussi, c'est vraiment l'année du gaming quoi, je suis désolé. Bon, c'est quoi qui cloche dans cette cité? Il manque juste des gens, c'est tout, en fait. Mais en fait, on va refaire un fort. Comme ça, terrain non dégagé. Banjo. Grim Fandango, eh oui, putain, mais c'est vrai, Grim Fandango. Hein, ça... T'as ouvert une boîte de Pandore, hein, l'année 98, c'est... Hein, faut... Tu peux pas t'arrêter, hein. L'année 98...
Non, faut dire ce qui est, les années 98, enfin même les années 90, début 2000, c'était quand même une tuerie, quoi. Puis vient l'avènement de Call of Duty. Non, je déconne. C'est pour ça qu'en fait, si j'ai envie de finir tous les jeux que j'avais quand j'étais petit, bon bah on se revoit dans 5 ans. Hein, parce que s'il faut que je finisse. Manque de main-d'œuvre. Oui, c'était léger. Parce que s'il faut que je finisse. S'il faut que je finisse Commando. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que évidemment. Mais les Sims c'est sorti quand aussi? 99 non ou 2000? 2000 je crois. Hein. Parce qu'évidemment les Sims. Ça, c'est une série de jeux que qu'on a fait vendre. Qu'on a fait vendre des galettes. Ça, les Sims, vas-y. Hein. Ouais. Les Sims, c'est chaud, ouais. C'est sûr. C'est possible hein, dans un sens. Hein. Tu fais, tu te fixes l'objectif, tu joues ton propre personnage et puis tu joues jusqu'à temps qu'il meure. Dans un sens, après t'as fini. Hein. Sachant que les Sims 1, pour ceux qui le veulent, les Sims 1 est en Abandonware. Vous allez sur le site d'Abandonware France et vous avez en un seul exécutable, enfin un seul installeur, les Sims 1 avec toutes les extensions. Si vous voulez vous refaire un kiff les Sims. Et si vous aimez les Sims également. Les Sims sera dans le Xbox Game Pass quand EA Play sera dans le Game Pass. Donc pour seulement 12€ par mois, vous aurez accès au jeu Xbox Game Pass plus au jeu EA Play. Certains jeux EA Play, une sélection de jeux EA Play. Dont les Sims 4. Dont Star Wars Battlefront 2. Dont Star Wars Fallen Order. Mais à mon avis, il n'y a pas d'avoir ici. Je suis pas certain. Bien. Bah, dans un sens, t'as eu de la chance parce qu'il y a une mesure anti-copie sur le 4. Donc, dans un sens, t'as de la chance. Ou alors, t'as trouvé un bon moyen détourné. On va dire ça comme ça. Super bug graphique. Ouais, mais c'est sûr que oui, c'est... Il faut hypothéquer ta maison si tu veux les extensions.
Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à coûter cher. Bon, on en est où? Ah, la qualité générale de vol. Donc on est atteint 42. Ouais, parce qu'au début, protection anticopie se déclenchait à chaque fois. Enfin, c'était très connu que ça se déclenchait à chaque fois. Ok, 41, 42, paix 38, ça, ça montera tout seul. Et la faveur, bon, bah ça, on lui fera des petits cadeaux, quoi. Voilà, du coup, on a deux légions. Alors là, si vraiment on vient nous faire chier... Oh la vache, très jolie fontaine. Ok, on a 9% de chômage. En fait, là, il y a un problème, ici. C'est que j'ai beaucoup trop de fer. Je vais refuser le fer. On va accepter que le marbre et les trucs. Parce qu'à mon avis, eux, là, le truc de marbre, il y a tout le monde qui attend. Il y a lui qui attend. On va faire en sorte que le fer soit en flux tendu. Un peu comme le bois. Ouais, ça va être beaucoup trop loin. Je me doutais que ça allait être trop loin. Que les dieux aient pitié de moi. Il n'y a plus rien à vendre sur le marché. Je rentre chez moi. Ok. Ouais, il faudrait peut-être refaire un petit temple. Ça va faire bientôt 2h30 de live. On va avancer. On va continuer encore un petit peu tranquillement. Mais ouais, je pense que de toute façon, là, l'année prochaine, donc il faut terminer évidemment Hidden Dangerous. Ça, c'est sûr. Il faut terminer Kaisar. Et après, c'est vrai que dans les 2 heures de rétro, je pense que j'aurai encore des jeux à montrer. Évidemment. Des jeux Super Nintendo, en fait, je voulais dire. Des jeux Super Nintendo à montrer. Ce sera peut-être, je pense, quelques émissions des 2 heures de rétro sur les jeux Super Nintendo avant d'attaquer peut-être un autre jeu comme Hidden Dangerous, en fait, faire une grande série. Peut-être sur Commando, on verra bien. Et je pense que le vendredi, on fera... un petit peu plus de monde. On fera enfin, j'ose espérer, les The Witcher. On verra bien. Et après, avec Nostalgia, on verra ce qu'on se fera. Si le EA Play arrive, on sait déjà ce qu'on se fera, en fait, comme truc. Pourquoi, d'un seul coup, il n'y a plus personne? Non. Pourquoi? Je dis avec Nostalgia. Une streameuse. Non, mais c'est pas grave. Ou alors c'est moi qui ai mal articulé au niveau du micro. Qui me permet de me répéter. Ah bah du coup ils ont pas besoin de... Sur qui? Ah, sur eux.
Allez, on approche. Allez. Allez, on approche. Allez. Quel combat épique. Ah oui, je crois qu'en plus c'est ça, c'est dans Zeus ou dans Pharaon. Pareil, ils ont amélioré le système de combat, qui était pas vraiment si difficile que ça à améliorer, mais il y avait ça aussi, ils ont amélioré le système de combat. Ah, je suppose que c'est pas dingue, surtout parce que... Hop, voilà, bah y a plus rien maintenant. Hop, super. Voilà, c'est pour ça, c'est pas le cœur du jeu, donc... C'est surtout le moteur du jeu qui est pas fait pour, quoi. Ça, c'est sûr. Du coup, vu que le moteur est pas fait pour, bah... Tu peux pas faire grand-chose, quoi. C'était les termes. Ok. Bon bah du coup je pense que la prochaine fois faudra s'étendre plus par là. Le problème en fait c'est que j'ai mis le réservoir là et le fort ici. Donc je pense que la prochaine fois, il faudra supprimer le fort, refaire un fort autre part. Peut-être de ce côté-là. Et ici, faire passer un aqueduc pour amener l'eau plus près dans les terres. Après, problème numéro 42, c'est que... Plus on va s'éloigner de l'eau, moins j'aurai accès à la bouffe. Donc après, est-ce qu'il faut peut-être pas mieux se développer par là? Parce que là, il n'y a pas de bouffe ici. Oui, c'est juste un bras de... Un bras d'eau. Brado. Ça va fluctuer, ça va être très difficile à... Quoique, on va peut-être gruger comme la dernière fois. Faveur, on est bon, et pipé, ça va augmenter tout seul. Ce sera les trucs à augmenter. On va sauvegarder. Je vais prendre ma sauvegarde 3, comme d'habitude, la sauvegarde de fin de stream. Et on va s'arrêter là pour ce soir. 2h30, c'est bien. Sachant que je vais devoir monter cette VOD sur l'ordi portable, ça va être du coup 4 heures d'export et ça va être super. Je suis joie, volupté, allégresse et poire à lavement. Sur ce. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, passez de bonnes fêtes également, parce qu'on ne se verra pas avant du coup, l'année prochaine. Stay safe, surtout bah, profitez-en bien, pensons qu'on en a tous besoin. Et puis voilà, on se dit à l'année prochaine. Sur YouTube, passez une bonne journée, une bonne soirée. Vous aurez de toute façon toutes les VOD, toutes les dernières VOD durant les vacances, il n'y a aucun souci. Vous aurez même également un best of clips que je vous prépare. Passez de bonnes vacances quand même, évidemment, c'est pas parce que vous êtes sur YouTube que je ne vais pas vous souhaiter de vacances. Pour ceux qui sont sur Twitch, évidemment, stay safe et à bientôt. Ciao!